Massoabou Sport Club de Niki, vainqueur de l'édition 2022 de la Coupe de l'Indépendance dans le Borgou. L'image paraît irréelle, mais c'est bien la réalité de ce ultime match de la saison qu'il a opposé à l'association sportive Al-Salam de Parakou. Sur la pelouse synthétique du stade municipal de Parakou ce 1er août, les 22 acteurs ont régalé le public et l'équipe dirigée par Emmanuel Serimbou n'a pas tardé à se signaler. Les oranges et blancs de AS Al-Salam ouvrent le score juste 2 minutes après le coup d'envoi de la rencontre. Capitaine de sa formation, Djima Kende profite d'une bourde du gardien de but de Massoabou SC pour envoyer le ballon au fond des filets. Niki est cueilli à froid et tente de réagir. Après plusieurs tentatives infructueuses, le but égalisateur intervient à la demi-heure de jeu. Malgré le premier sauvetage du gardien de but, Abdul Mujib Chabi réussit à redonner espoir à ses coéquipiers. D'un pied ferme, il rétablit la parité et envoie les deux formations à la pause sur ce score de 1-0. En seconde période, les deux équipes se rendent coup sur coup les occasions de but. À 10 minutes de la fin du temps réglementaire, les joueurs de Parakou perdent le ballon dans la moitié du terrain adverse et offrent une possibilité de contre-attaque aux joueurs de Niki qui n'en demandent pas mieux. Sur cette action jouée en quelques touches, les visiteurs obligent leur hôte à commettre l'irréparable. Avec cette avance au Makwa, Massoabou Sport Club verrouille son arrière-base et accepte de souffrir le martyre jusqu'au coup de sifflet final du juge central. Score final 2-1 et le club de la Cité Royale de Niki pour sa première succès de palmarès de cette compétition à l'équipe de Entente Football Club de Gamia. Oui.